Alors, on a dit full foudre. Donc, vous allez voir, ça va être un coup de foudre. Je me lasserai pas cette blague. Hop. Je modifie ça. Ah, oui, mais je me dis que je relouterai en fait. Vous savez, moi, je suis un genre le mec. Ça va finir par tomber. Donc, on a dit, hop, le foudre niveau 2. Je l'ai, hein. Ouais, il est là. Voilà, donc la foudre de guerre. Ah oui, les deux sont à 59 000. En fait, la différence, c'est pas les dégâts, c'est le CD. D'accord. Ah ouais, ça va être un coup de foudre insane. Augmentation d'attribut en dégâts critiques. Ouais, ça peut être sympa ça. J'ai bouffé un peu du fragment, ça va être le coup. Ok. Ok. Eh bah ben, écoutez, ready. Je vérifie, mais ouais. Tac, tac, tac. La tête est bon. Ah non, oh là non. Excusez-moi, On a excusez-moi. débloqué le niveau 15 en fait là. Logiquement, oui. Ah non, même pas. Même pas, bah non. hop, hop. Ça, je m'en fous. Non, faut faire en gold pour avoir Oui, le le 2. build actuel annonce barbu, tout à fait. Là, actuellement, je joue avec mon build de poison infini. Tout à fait. Ah, c'est ça que je voulais Me mettre. dites dès que je vais commencer. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est en soi. Moon, c'est bon? Ouais. Je sais juste si elle vend pas un truc sympa. Je joue à aucun jeu, j'adore ma... Je peux jouer à aucun jeu, j'adore ma vie. Pourquoi Titeï? T'as un PC en carton, non, un truc comme ça? J'ai pas fait gaffe. Bonjour Anarchie, bonjour à tous les arrivants. Bon, là, la première phase c'est des humains, mais ensuite c'est des bestioles. Ça marche. On reste en Mais T14 pépère, hein, c'est déjà très bien comme ça. il y avait que celui-là. Pépouzou, pas de soucis. Hein. Hop, et. Tac, ok. PC à 3000. À Ces tireurs 3000 coups en originaux carton. ont entendu une Ah! capsule fondre le ciel Ah, près d'un ça monument c'est plus sacré chiant ça. dans lequel Courage! l'ennemi Après, tu. Enfin, quoi en carton, je sais semble pas à quel point en sûrement carton, mais pour toi inhumain. par exemple, dans mon cas, j'ai une connexion Surtout ADSL sur. quand Enfin, on j'ai à la fois une parle d'un 4G et une ADSL, et même en ADSL, ça peut le faire. Hein. Et merci beaucoup pour les follow, la Ripaille, Vador, bienvenue à vous, merci beaucoup les gars. Merci à tous pour les follow. Ok. Donc là, on va faire le. On va essayer, donc je suis toujours en but de poison infini, mais accompagné de full foudre, ok? Donc logiquement, je vais être tort, quoi. On va voir ça. C'est un peu ça, ouais. Attends, deux petits. Ah bon, soir, non. Hop, gauche, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Alors, oui, on va voir. On dirait que les hommes de Candre Si t'es en France, effectivement, la 4G peut valoir le coup, quoi. Attends, je. Ah oui, d'accord. Oh! Oh, les dégâts que je fais. Pourquoi je fais beaucoup plus mal qu'avant? Alors que mon arme fait un peu moins de puissance de feu. Ah non, c'est la foudre qui fait les 92 000 qui pop. Ah oui, il tombe en même temps. Je t'ai dit que ça Bah tombe oui. en même temps, du coup, ouais, ça cumule les deux. Oh la Après, ça vache! synchronise. Mais c'est tellement drôle! Oui, un peu. C'est stylé à jouer, on est d'accord. Ah ouais, c'est le feedback de la. Et encore là, je l'entends pas assez fort, faut que je le mette. Regardez ça! Par contre, tu verras, à force de jouer avec ça casse les oreilles là. Ça casse jamais les oreilles la foudre. Quand on a un passionné de la foudre, ça casse. Oh la vache! La Auna a 43 balles! Putain, c'est du bon deal hein! T'es sûr que c'est la Auna et pas le beurre? Corben, ils ont la même gueule, mais pas le même nom. T'es sûr que t'as pas fait la patate? Salut la Ripaille, bienvenue à toi sur ma chaîne dans ce cas-là. Est-ce que vous l'entendez, vous la foudre, le chat correctement? Mais Mister Tourvilleul, tu me fumes avec ton tourvilleul. Ça me fume. T'as le mandat Urza avant, c'est bien. Bon move. Ah, c'est stylé le but de foudre. Ah, je suis tellement content de l'avoir enfin eu. Mais l'arme, en vrai, je peux la garder et mettre les sauterelles. J'aurai quand même la foudre et les sauterelles. Oh là là, ça va être tellement cool. Regardez la foudre qui tombe en perma, quoi. J'adore. Salut Blue Sky, merci beaucoup pour le follow. Oh, le shrapnel sur le boss. Ils sont tellement cons à geler. Oh putain, ah ouais, ok, il y avait une. Ok, ouais, je gagne 20 000 de dégâts sur mes critiques, la tourelle.
C'est-à-dire qu'en gros, je crit à 70 000 quand ils sont pas des buffs et 90 000 par. Ta tourelle, franchement, elle fait le taf. C'est ultra worse le mode. Pour, enfin, en gros, faut que quelqu'un l'ait quoi qu'il arrive. Ça me bat de le mettre, hein, aucun souci, je perds. En fait, ta tourelle fait. Elle augmente mes dégâts comme si j'avais les balles maudites. Quand je suis en balle normale. Plutôt propre. Ok. L'arme de rafale, c'est horrible. Pourquoi t'as... Ah, le bruit, non, Chroma ? Tu parles de quoi ? Fais penser au fusil d'éclaireur qui faisait taper la foudre. Bah, encore une fois, le jeu a une grosse vibe en thème. Point d'exclamation, Outriders. Les vieux qui expliquent ça. Salut, Deathskull. Yes. Est-ce que tu as ce qu'on appelle du micro-stutoring ? Si oui, il faut que tu désactives la ligne d'amis sur Steam. Ça n'a aucun... Je sais, ça n'a aucun sens, mais visiblement, ça marche. Micro-stutoring. S-T-U-T-E-R-I-N-G. Oh, j'ai claqué un 2 millions. En rafale ? Ouais. Avec mon arme en rafale. Oui, c'est ça, c'est le micro-stuttering, Dead Skull. Et y a un truc pour résoudre ça, sache-le au cas où. Hein. Essaye déjà avec ta, je te dis, avec ta liste d'amis en neuf. Je sais pas pourquoi ça marche, le fait est que pour des dizaines de viewers, ça a marché. J'espère que ça marchera pour toi. Ah ouais? Ah, j'aime bien moi. Moi aussi j'adore la rafale. Après, micro tutoring et liste d'amis sur Steam. Je rejette derrière. Ouais, elle a fondu. Ah bah là, sur un pack pareil, ton shrapnel il a dû faire mal. Hein. Oh oui. Au pire, tape sur Google. Deathskull, si tu parles anglais, t'as un besoin anglais, tu vas parler anglais. Tu tapes micro stuttering Outriders. Je répète stuttering, S-T-U-T-E-R-I-N-G. Va-t-on faire notre première 14 en gold ou allons-nous encore faire le silver? Tout est possible. Il y a une porte scellée qui conduit au... J'avoue que là sur les obélisques avec ton Bilol, ça va être trop bien. Qui vont tous Ça dépend parce que comme on est trois, ils se splattent. Là, le pack d'avant c'était trop stylé. Là, c'est un peu moins packé. Ah bah oui, le gros pack, t'as dû être en mode, t'as dû voir des chiffres de partout quoi, par un vrai tourbillon. Là, c'était marrant. Pas de soucis, Deathskull. Avec plaisir. Si je peux aider, c'est toujours avec plaisir. Ah ouais, la foudre, tu l'entends, t'es un orage en fait, t'es un orage vivant. C'est une autre manière quoi. T'es un putain d'orage vivant. J'ai hâte de voir à la fin à quel point ça va représenter une source de mon DPS. La double foudre, on va voir ça. Le fait qu'il y ait un kikimeter et qu'on puisse donc voir, il y a un kikimeter détaillé par toutes vos compétences, ça c'est... Ouais, la tourelle fait rien, ok, effectivement. Non, franchement la tourelle, elle est hyper OP. Je me demande si c'est pas grâce à elle que j'ai tapé le 2 millions. Ça va, ça vous casse pas trop les oreilles, le chat, la foudre. Vous me dites, hein. Mais je la désactiverai pas, mais vous pouvez me dire, hein. Vous pouvez vous perdre. Mais je vous préviens, je kiffe. Quoi. On n'entend pas beaucoup par rapport aux balles maudites, hein. Ok. Ok, j'ai la merde pour toi ce mois. Je peux. Son charme naturel. Non mais ça veut dire que ça fait 10 minutes que je me balade avec et je suis pas encore mort. En même temps, donc ça marche. Tous les dots et tout qu'on met.
Et le son du jeu est pas trop fort globalement par rapport à ma voix par exemple. N'hésitez pas à me dire, n'oublie pas que vous êtes mon retour. Un peu fort je trouve. Ok, attends, je baisse un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça marche. Merci. La porte est ouverte. Ok, on a un bon timer là. On a un très bon timer. On a un très bon timer, ouais. Peut-être notre première. Ah oui, mais je l'ai faite. Oh, je l'ai faite celle-là, oui. Alors là, par contre, la phase de fin, elle est. On a un bon timer, mais la phase la de fin, c'est du. Mais ça va encore. C'est... Il va y avoir du monde. Hein. Non, mais c'est qu'il y a un monde délirant. C'est celle que j'ai réussi pile poil en. Bah, c'est celle que je suis mort avant que j'arrive. Et merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Merci, merci. Xebax, j'ai mal vu par contre. Bonjour Lou, welcome, je gèle. Oh oui, quand c'est bien packé comme ça, mon champion est très bon, man. Tu m'étonnes. Et Zélo, sérieux? J'y pépite de voir ton. Les dommages de foot sont calculés sur quoi? Le pouvoir d'anomalie, Sarnes, si je vais accomplir. Et merci Arsenic également pour le follow, bienvenue à vous tous. Je suis sûr que tu kifferais l'aspect tourbillon. Oui. Oui, clairement. Un kiké comme moi, il y a des chances. Clairement. Mais c'est dans ces moments-là, au final, que je me dis que les 4 classes, je m'amusais parce que le pyromage, le peu que j'ai joué, je trouve ça déjà très fun. Je trouve que le feedback du pyromage côté feu est très réussi. Donc, bon. Pas de soucis, Sranes. En plus, t'es quasi. Tu peux être immortel ce tour, Bilal. Si tu okay, on a 5 minutes pour le boss. Large. Facile. Large. C'est ça Raoul, t'as tout, tu vois. Et le fait d'avoir un kikimeter précis, c'est pas pour une question de qui est la plus grosse. La question étant, comment est-ce que je fais mal, qu'est-ce qui fait mal dans mon build, et comment je peux l'améliorer. C'est ça en fait qui nous est utile. Par contre après, est-ce que c'est rigolo de faire amuser avec les copains là-dessus en mettant un peu kikoulol? Oui, évidemment. Mais la finalité, c'est surtout pour s'aider, enfin pour s'améliorer quoi. Et ça n'a pas de prix ça. Merci beaucoup pour le follow, Léo Shane, bienvenue. Merci à tous pour les follow. Pas anticiper les roulades, je vais être prêt pour... Complètement. Mais alors c'est là où le jeu, au final, plus j'y pense, et vu qu'un viewer me l'a dit, je vois que ça, un gros vibe Remnant, mais Remnant version looter shooter quoi. Quand on joue contre les monstres, il y a un gros... Oh mon dieu de mon... Grosse vibe Remnant. En bien, j'ai adoré Remnant from the Ashes. D'ailleurs, beaucoup mieux toi ta deuxième run, Azelos. Sans bug et tout. Sur Remnant. Oui, bah oui, c'était plutôt chouette, ouais. Il est patché, il est fluide, impeccable. Ouais, dans l'ensemble, oui, c'était. Bah oui. Bah, j'ai pu finir le jeu, quoi. Pas plus que ça, t'as trouvé ça sympa, pas plus, non? Attends, désolé, hein, j'ai le son vachement fort là. Ah, donc, pas de soucis, on en parle après. Je baisserai le son après ça. Oui, allô. Ouais, j'ai d'avoir. Alors, j'ai une arme hier qui était très sympathique, et là j'ai d'avoir une arme en fait que je rêvais d'avoir. Étant un fan de la foudre, je rêvais d'avoir un mode allié à la foudre. Et là j'ai le mode ultime, donc de foudre de guerre ultime. En gros, toutes les secondes, je fais 60 000 de dégâts. Tu vois, la foudre à chaque fois qu'elle tombe, elle tombe toutes les secondes, c'est 60 000. Enfin, il y a un 59 000 précisément qui pop quoi. Ou je crois qu'il fait 87. Enfin, là, comme il y a les deux, c'est fallait 87 000. Enfin, c'est un bordel. On verra à la fin à quel point ça a été efficace ou pas quoi. Salut monsieur Noz. Oui, faut. Faut que tu renseignes sur le micro-sutoring. Sinon, ça serait lié à la liste d'amis sur Steam. Alors oui, ça n'a aucun sens. Et sachant que vous pouvez quand même jouer avec vos potes, même si elle est activée. Hein. Au cas où.
Ah oui, là on est en mode Thor. Là on est en mode Thor vénère. Alors, je le répète, micro-stuttering. Pour faire très simple, c'est un enchaînement de mini-freeze qui peut être lié à tout un tas de choses. Pour vous donner une idée, un exemple très précis de micro-stuttering, bonjour à Saliving, S-T-U-T-E-R-I-N-G, dans les années 2010. Ça remonte un peu, mais c'est le dernier exemple que j'ai vraiment, moi, que j'ai vécu, donc c'est pour ça que je vous en parle, sur les jeux Blizzard. Avec les SSD, certains SSD de la marque Crucial, il y avait du micro stuttering. Voilà, c'est là qu'en gros vous avez votre frère. Et GG l'a adoré. Bravo. On lui aura roulé dessus à la. Bien sûr, Corben. Merci à Charite. Et on l'a effectivement détruite là. Alors, est-ce que la foudre a été bien? Moi je veux voir ça. Là, j'avoue qu'on est. On va pouvoir se faire plaisir côté arme. Bon, allez, un pompe avec le mode de bouclier et je suis... Pour l'immortalité, et la théotope, c'est bon ça fusil d'assaut, là. Ah, un pompe de bouclier, c'est compliqué. Il est encore en vie. Enfin, faut le mode tempête. J'ai eu un pompe, tiens-moi. Pas de légendaire. Et pas de légendaire. Lucas non plus? Non. Tristesse. Ok. Après, celle-là, là, je vais tester... Et pas d'arme, là. J'ai pas eu de pompe avec bouclier. Juste pour embêter Azelos. Ok, je vais me rebuild pour tester le build minigun. Pour la science. Donc là, je vais vous montrer le build Rambo. Je vais vous montrer ça. On va tester. Je sais pas s'il sera bien ou pas. Mais là, déjà, je veux voir les dégâts de la foudre. Par rapport au poison. Là, sachant que les sauterelles représentent environ un tiers de mon DPS. Ok. Alors, dégâts infligés. Bon, déjà, bah, je suis dernier au DPS. Tiens. Ah. Oh! Par contre, c'est vénère la foudre. Après, c'est le cumul des deux. C'est le. C'est le cumul. C'est les deux modes d'un coup. Donc c'est ça. Ça reste... Ouais, 50k. Enfin, 50 millions. C'est ça. C'est énorme. Hein. 50 millions avec la foudre. Non, Thunder, justement. Alors, en main, pas équipé. Je suis pas sûr de comprendre. Non, il faut que ça soit l'arme activée. Salut Léo Shane. Encore merci pour ton follow. Ouais, 50 millions la foudre. Presque autant que mes balles maudites. Donc, ouais, la foudre. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Et tiens, ouais, t'as fait plus mal que moi là, Lucas. Avec ton tourbillol. Ouais. Enfin, avec ton. Avec la. Ouais, là, les mobs étaient plus paquets que. Bah, il y a eu des beaux packs. Il y a eu du. Y a eu tu vois, t'imagines en solo maintenant à quel point tu peux maximiser ton DPS vu que t'as tous les mobs sur toi. Comme vous pouvez voir le chat, vous n'avez pas besoin d'un build avec modificateur de balles pour faire mal. Là, Zedo, c'est un build full anomalie et il est devant moi au DPS. Peut-être que je suis nul, peut-être que le build marche bien, mais en vrai, à la réalité. Alors, tu veux savoir le mieux? Regarde mes dégâts de. Donc, en taille du cyclone, c'est le tourbillol. Ouais. Lame temporelle, c'est l'épée. Ok. Oh la vache, elle pique. Dis-toi qu'il y a un set avec le Strixter qui augmente de 100% ses deux dégâts. Tu rêves de l'avoir. Le truc qui double dégâts quasiment. Oh, joli. Donc, ouais, là c'est Kiki, c'est gros Kiki quand tu l'auras, c'est ça? C'est surtout pour dire à quel point tu peux faire un build vraiment basé sur les pouvoirs. Quoi. En tout cas, avec le Trickster. J'imagine avec les autres aussi. Mais... Ça te demande un peu de recherche, quoi. Nos critiques comparé à toi. Ah, il fait pas de critiques, Azelo. C'est coup critique sans balayer. En même temps, je suis full sort, donc de temps en temps, je balance des balles pour faire propre mes mods. Mais... distinction, tiens, encore une nouvelle. Niveau d'un coup. Je balance mes mêlées et ma poussée ralentissante, elle a quand même 6 millions de dégâts. Tu vois. On a officiellement. Ah, il fallait faire en or d'ailleurs à la T14 hein, pour réussir. On a officiellement débloqué Eye of the Storm, qu'on ne va pas aller faire. Mais on pourrait aller faire effectivement à la Shana une vision troublante à propos de la tempête permanente qui se profile à l'horizon. Si ce qu'elle a vu est vrai, préparez-vous à l'épreuve la plus terrestre. Oh ah oui, ça coûte 40 000 de y aller de façon. 40 000 ah oui. On dira quand on sera sûr. Ouais. C'est donc l'ultime épreuve. Donc la T15. Hein. C'est bel et bien la T15. Hein. Ok. On n'y est pas encore là. Ok. J'aimerais bien tester le Colisée pour la science parce que ça coûte 280 aux F, tu vois. Ouais, je vais. Je pense qu'on fait encore quelques 14 histoire de se prendre du stuff et ensuite on teste la payante. Ça sera plus la Colisée à ce moment-là, mais ça sera une payante. Ça me va. Alors. J'ai combien? Putain, c'est 85 000 maintenant les stuff de légendaire. On a débloqué le dernier palier. Ah, on a bloqué le 50 là, c'est ça? Ouais, c'est du niveau 50 maintenant les stuff du coup. Oh la vache. 4. J'ai 7 ans. C'est quoi? Oh la vache. Moi j'ai 49 000 là. Mais voilà, c'est vrai que si on y va, c'est compliqué quoi. Ah, et les armes font 78k. Ah oui, les légendaires à 89 000.
Les sets d'armure leg à acheter valent le coup. Bah, il y a certains sets, oui, qui sont très cool, tu vois. Genre là, en fait, ça dépend de comment tu veux t'orienter. Tu vois, moi, comme je disais, j'ai trouvé le set ici qui augmente de 100% et les dégâts de mes. Oh mon dieu. Ok, là, il y a un truc de soutien pour le technomage que vous kifferiez. Le bonus du Monarque Boréal, le 3 pièces. Augmenter les dégâts critiques de 90% pour tous les membres du groupe pendant 8 secondes après utilisation de la compétence Vague de Froid. Moi, je t'avoue que les dégâts critiques, je m'en fous un peu. Toi, oui, mais alors Moon s'en fout pas. Moon, il s'en fout pas, je crois. Ah non, je m'en fous pas. Putain, il serait fat. 90% de dégâts critiques. C'est beaucoup. Ouais. Et sachant que Vague de Froid, c'est un CD actuellement de. Je sais pas si on peut le réduire. Alors, par exemple, 30 secondes. Donc, ouais, c'est pas. Bon, c'est... ça fait un joli burst, quoi. Tu peux faire un build de réduction CD. Hein. T'as des stuffs, ils ont un perk réduction CD. Tout à fait. C'est vrai que vous avez la réduction de temps de recharge en fait en substat. Vous voyez là, par exemple, vous avez bonus puissance de feu. Voilà. Réduction de temps de recharge à 5.83 là. Et dans la bonne space, tu dois aussi en avoir, j'imagine. Tuer des ennemis touchés par l'altération de l'état gel avec l'embêtant, c'est fait exploser. Oui, je l'ai testé celui-là. Il est pas si mal, Ada, effectivement. Il est pas si mal, mais sachant que tu en as, t'as un mode d'arme comme ça. Mais c'est vrai que 250 000 dégâts en AOE. C'est vrai que si je tue un mec, je fais 250 000 dégâts en AOE avec la vague de, sur la vague de. C'est un mode de vague de froid. C'est même pas un mode d'arme. C'est vrai que c'est vraiment très fort en vrai. Oh, j'ai une pièce de stuff qui me fait de l'œil, mais 42 000. Ouais, mais quand t'as les 3, tu peux faire des trucs incroyables, Kira, hein, clairement. Quand un outil destruction est actif, un coup confirmé de la compétence douleur exquise, recharge 20% de munitions pour le minigun. Ah, il y a un set vraiment sur le minigun. C'est l'inventeur macabre, d'accord. Donc ça, c'est le set pensé pour... c'est le set pensé justement pour outils de destruction, pour les builds autour de lance-roquettes ou minigun, quoi. 20% de munitions pour minigun, alors il peut enchaîner. Alors là, je pourrais pas t'aider plus, est-ce que je suis désolé. Courage. Mission maudite. Pouvoir l'anomalie. Donc là par contre, on est d'accord que le minigun, attendez, donc je vais essayer mon petit build, ok. Alors compétences, logiquement dans la classe, le minigun c'est un truc d'anomalie, on attend les compétences, on va relire, je vais être sûr de ne pas faire de conneries. Il est où? Il est là. Oh, ok, pour passer une pièce du niveau 49 au niveau 50, il faut payer 36K. Ah la vache! De ressources de capsules. Ah, faut farmer, hein. Par contre, je passe de 81 de puissance de feu à 94. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, j'hésite, hein, parce que. Fonce, hein, fais ta plaise. Hein. De toute façon, ça se farme. Avec les 2-14, on en a lâché pas combien à chaque fois, on a 26 000. Ça va être rapide, hein. J'avoue, là, ça... parce que là, ça va commencer à piquer, quoi. Mingle, je pense que je vais attendre un peu en vrai. Parce qu'il me faudra plus de pièces. Parce que là, j'ai la tête. Je vais essayer vraiment d'avoir une pièce pour chaque, en fait. Ah! Bon, bah, j'ai le torse maintenant, ça y est. Est-ce que j'essaie à l'arrache? Allez, j'essaie un peu à l'arrache. Ok, on va tenter le build minigun. Vous me laissez 5 minutes à peu près. Je tente ça. On tente le build minigun, le chat. Ok, donc, le torse, il est impeccable. C'est celui-là. Voilà, outil de destruction, niveau supérieur. Ah, mais c'est que du cuir, de toute façon. Ah non, mais pas le niveau. Bon. Ah, mais par contre, ouais, 1000 de cuir en vrai, Osef. Ok. Améliorer la rareté. Oui, 600 titane, pas de problème. Et je peux mettre quoi? Non, c'est de la merde. Putain, c'est de la merde. Si tu revends tes bleus depuis le début, t'as assez pour t'acheter masse titane. Ok. Au cas où. Ça marche. Sachant que le capé de thune, c'est 9999. D'accord, ok. Putain, par contre, j'ai trois modes dégueulasses, quoi. J'aurais pas de roulade. Bon, bah écoutez... Ah, mais c'est vrai que je peux le dégager, je m'en fous, de toute façon. En fait, je suis con, je m'en tape, c'est celui que je vais dégager. Donc, en fait, Osef, le deuxième mode. Je prends ça, là. Et le deuxième, il est bien, non? C'est l'armure. Si j'utilise, non? Bah... Ah non, je vais faire du... Full dégâts. Full dégâts. Donc, hop, on prend ça ici. Ok, maintenant... Mon perso semble arriver. Donc ouais, plutôt maintenant tu les vends toi les bleus Lucas, c'est ça? Pour acheter du titane? Moi je vends tous mes bleus, ouais. Ok. Moi je les vends pour acheter peut-être une... Parfois il y a une pièce qui est pas mal dans les pics. Et du coup si jamais... En fait si tu... Parce que si tu commences à upper tous tes bleus, ce qui peut être intéressant, tu vas vite être court en titane. Et avec ton pognon tu peux racheter plein de titane. Donc là on a dit, voilà, le bonus de pouvoir d'anomalie, je le passe en épique. Ok... Donc, tac. Hop. Voilà.
Et améliorer la rareté. Alors. Est-ce qu'il me met un truc sympa au cas où en natif? Non. Non. Why not pour l'instant, ça, ceci dit. Salut Fatal. Ok. Alors. L'Excelsium, je connais pas Arsenic. Parce que moi, c'est là, je vais le faire vraiment avec le Perpetuum Mobile, en fait. Bonjour Locke. Le up que j'ai pris, à mon avis, je vais monter à 3K. À 3 millions. Mythique. Oh, ça va être beau. Putain, mais j'ai même eu les bots, en fait. Oh, j'ai tous les stuff parfaits pour le minigun, là. C'est truc de ouf. J'ai même eu les bots, en fait, avec le... Enfin, tout le truc autour, quoi, pour être immortel. Hop. Hop. Tellement de cuir. Hop là. Ok. Le minigun, je tape pas au poison, par contre. Quoique, plan toxique. Ah le bah si, en fait. Les... Ah ouais, mais non, tu n'utilises plus le poison, non. Oui, mais toi, tu vas les empoisonner, logiquement. Non, j'ai adoré, oui. Fatal. J'ai vraiment, vraiment adoré. Perpetuum mobile. Il faut qu'il... Oui, je sais, j'explique dans le build, l'arsenic. Point d'exclamation, Outriders. Ah, t'as l'autre à côté. À droite non, en mouvement, à gauche. Oui, effectivement, bien. Mais je me dis que c'est des balles donc, qui me font peur. Ouais, mais tu bouges tout le temps, normalement, avec ton minigun. Tu restes rarement... Non, je suis en mode tourelle. Oh, je sais pas combien de temps ça dure, en fait. C'est que quand t'es en déplacement. Ouais. Après, j'ai peur qu'on se fasse knockback et tout. Pour l'instant, je vais prendre le plomb toxique, on verra. Je vais faire en sorte de... d'être sûr d'avoir ses balles. En mouvement, franchement, personnellement, je le trouve vraiment, vraiment fat. Ok, alors... J'ai vraiment beaucoup aimé sur Mentor. Le feedback est très bon pour le coup, Fatal. Donc, ici, c'est l'impulsion, je m'entends. Mais sinon, je peux le mettre, le mouvement. Je peux toujours le mettre, parce que j'ai mis un truc qui m'intéresse pas, les masses. Donc, tac, tac, mode niveau 3. Pourquoi il est rouge? Parce que c'est doublé, en fait. Attends, est-ce qu'il y a... Ouais, il y a un build niveau 3 sur le minigun. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est verrouillé. Il y en a un. Il y en a un sur le missile, il y en a un sur le minigun. I need it. I need it, I want it. I need that shit. Ok, pour l'instant, on va quand même jouer au cas où on va jouer safe. Alors, attendez, pour l'instant, je suis concentré le chat. Hein. Désolé, je lis pas trop le chat. Je suis full de chez full focus. Ok. Le focus est réel. Non, ça, je m'en fous. Le focus est réel, cher chat. Hop. Maintenant, tu peux modifier tes armes pour... Si tu les as en main au moment où tu prends ta tourelle, ça va ajouter des modes sur ta tourelle aussi. Je sais. Moon, laisse-moi faire. Donc, le perpétuum, évidemment. Tac. Voilà. Ça pour valider le kill. Ok. Ici, ça me servira à rien. Là, le plan toxique, il faut que je le change. Petite destruction. Ok. Est-ce que j'ai d'autres jambières? Voyons voir ça. Déplace. Ah bah tiens, il est là, ouais. Ok. Donc, hop. Et je peux le mettre aussi, celui-là. Paf. Je mets donc celui-ci. Et je perds le... Ouais, Charles de Scourzef. Ah non, c'est la tourelle. Non, la tourelle, je pourrais pas la mettre, de toute façon, là. Ok. Salut, Kamsi. Vous allez... On prépare un gros truc, le chat. Hein. Je vous préviens, logiquement, je prépare un truc qui va être très débile. Très, très débile. Mais genre, débile... Vous voyez, il y a débile, et il y a débile plus. Là, ça va être débile... Plus, ok. Ça se trouve, ça va être nul, hein. On va voir. Hop. Oui, Simla, c'est ça. Effectivement. Point d'exclamation, un trader, Simla. J'explique tout dans le build Rambo. Enfin, dans la vidéo Rambo. Ok, donc ça, les gants, j'en ai... Si, ça, je peux le mettre, ça sera mieux. But du coup, bref. Ouais, ça peut être très chouette, ça. Ok, voilà. Donc, plan toxique ici, on est bon. Et les gants, il faut que je change de leur exquise. Ok. Hop. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je me demande si tes tirs de minigun vont provoquer la foudre aussi. Ça peut être sympa. Bah, c'est ce que je me pose comme question aussi. C'est pour ça que j'ai laissé le... J'ai mis... Je prends cette arme-là, quoi. Non. Attends. Non, Zef. Lequel je peux prendre encore? Ça.
Celui-là, le cumul critique justement.